Ce jeudi 9 février, Pierre Demar et les autres nommés de les catégories révélations de masculine et féminine de l'année aux victoires de la musique étaient les invités de C'est à vous. Le chanteur est revenu sur ses propos dans Quotidien et s'est confié sur ses pratiques insolites en studio d'enregistrement. Pierre Demar est un artiste montant de la scène musicale francophone. Il fait d'ailleurs partie des nommés dans la catégorie Révélation masculine de l'année aux Victoires de la musique, cérémonie diffusée ce vendredi 10 février sur France 2. Le jeune chanteur belge de 21 ans s'est fait connaître du public l'année dernière avec son titre Un jour je marierai un ange, qui a été un véritable phénomène sur les réseaux sociaux et à la radio. Il cumule avec ce titre 50 millions d'écoutes entre Spotify et YouTube, un véritable tube nommé dans la catégorie chanson de l'année. Pierre Demar a dévoilé ce vendredi 27 janvier son tout premier album intitulé Regarde-moi, et il s'est produit à cette occasion dans l'émission Quotidien, une performance qui a été largement remarquée par les internautes. Les premiers concerts étaient catastrophiques lors de son passage dans l'émission Quotidien, Pierre Demar a confié à Yann Barthès qu'il chantait mal, une confidence des plus étonnantes. Ce jeudi 9 février, le chanteur et les autres nommés dans les catégories Révélation aux Victoires de la musique étaient les invités d'Anne-Elisabeth Lemoine dans C'est à vous. L'animatrice n'a pas hésité à relancer Pierre Demar sur le sujet. J'arrête de dire ça maintenant parce que je me fais engueuler à chaque fois, et je chante de mieux en mieux, a-t-il répondu un peu gêné. Pierre Demar a d'ailleurs confirmé sur le plateau se mettre depuis peu au cours de chant, ce qui a beaucoup amusé Laurie Tillman et les chroniqueurs sur le plateau. Je chante. Je fais des concerts. À force d'en faire, c'est mieux, mais ça part de loin, c'est tout, a-t-il continué, sans réussir à convaincre Anne-Elisabeth Lemoine. Le chanteur a alors assuré, ça ne part de nulle part, je n'avais pas pris de cours en fait. Les premiers concerts étaient catastrophiques, la cigale, c'était faux du débat à la fin. De quoi provoquer les rires de la présentatrice. J'ai peur des frottements d'habits. Anne-Elisabeth Lemoine l'a ensuite interrogé sur l'enregistrement compliqué de son premier album. Vous aviez eu peur d'enregistrer cet album, et vous vous êtes rassuré à coups de CL sec, de jean CL sec, a-t-elle expliqué. Et de nudité, a ajouté Pierre Demar avec un grand sourire. Cette nouvelle confidence a quelque peu déconcerté Laurie Tillman qui présentera demain la cérémonie en direct. C'est-à-dire de nudité ? Lui a alors demandé l'ancienne Miss France étonnée. Le chanteur a assuré sur le plateau préférer enregistrer dans le plus simple appareil à cause d'un potentiel risque technique, toujours en studio. J'ai peur des frottements d'habits, que ça fasse du bruit. À lire aussi j'ai vécu mon premier amour, Pierre Demar fait des confidences sur sa vie sentimentale.